Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois de plus pour vivre avec vous la passion du meilleur des sports, le football. Vous êtes bien sûr dans Football Planet et c'est sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire. Fin du suspense en Coupe d'Afrique des clubs, on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale, mais un imbroglio sur le cas du club soudanais Al Hilal Obeid. Gros plan sur le choc en Coupe des Confédérations entre le tenant du titre, le TP Mazembe, et le Oroya AC de Guinée. Dans cette émission également, les inquiétudes sur le CHAN 2018 prévu au Kenya. Les chantiers sont encore loin du compte. À suivre dans quelques instants les précisions du journaliste kenya Ayumbi Ayodi. Et puis les équipes africaines connaissent désormais leurs adversaires au Mondial U17 prévu en octobre prochain en Inde. Les détails dans quelques minutes. Bienvenue dans Football Planet. Le suspense aura vécu jusqu'au bout, car il aura fallu attendre la sixième et dernière journée de la phase des poules pour connaître tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pas de surprise, puisque tous les favoris ont validé leur ticket. Suivons ensemble les tableaux des résultats et les classements par groupe. En Coupe de la CAF, la sensation était encore plus forte avec des cadors menacés de quitter la compétition prématurément. C'était le cas du tenant du titre, le TP Mazembe, qui faisait face à son dauphin d'alors, le Oroya AC de Guinée. Et comme prévu, les corbeaux de Lubumbashi ont souffert jusqu'au bout à domicile face à des Guinéens très déterminés. Plus de détails dans ce reportage de Ruth Lago et Elvis Bo avec notre correspondant à Lubumbashi, Christopher Chitamba. Le tout-puissant Mazembe poursuit son aventure en Coupe de la CAF. Les Louchois ont assuré l'essentiel pour se maintenir en quart de finale face au Oroya AC, qu'ils ont battu par 2-1 lors de la dernière journée de la phase des poules. À domicile, les Corbeaux ont connu une bonne entame de match avec une ouverture de score avant le quart d'heure de jeu. Réaction des Guinéens quelques minutes après une égalisation qui menaçait le club congolais. Mais dans les derniers instants du match, Nathan Sincala crucifie les visiteurs, le temps des regrets pour l'entraîneur guinéen. Ce soir, bon, c'est vrai qu'on regrette de le prendre à la 87e, mais bon, Mazembe a quand même pas mal d'occasions. Nous, au match aller, on a des occasions de faire le 2-0 aussi. Donc, je veux dire, ça s'équilibre toujours à un moment donné. Du côté du tout-puissant Mazembe, c'est bien évidemment le grand soulagement. L'entraîneur Pamphile Miayo loue surtout le mental de ses joueurs. Moi, je félicite beaucoup ces jeunes frères. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui ont le mental très fort. Une équipe qui va chercher une victoire vers la fin du match, c'est pas facile, c'est pas donné à toutes les équipes. Avec cette victoire, le TP Mazembe poursuit son aventure, mais surtout la défense de son titre. Mais les Congolais le savent, s'ils veulent aller au bout, ils devront encore se montrer plus souverains. Grâce à ce succès, le TP Mazembe conserve la place de leader du groupe D de cette Coupe des Confédérations, alors que les Sud-Africains de Supersport United doublent Oroya AC après leur nette victoire sur les Gabonais de Mounana CF, étriés 4-1. On notera également le carton plein des clubs maghrébins. Voici les tableaux. Vous l'avez peut-être constaté, le match ZESCO United Al Hilal Obeid dans le groupe C n'a pas été joué. Il a été annulé à cause de la suspension de la Fédération soudanaise de football par la FIFA pour ingérence gouvernementale. Nous y reviendrons, mais en attendant, voici les affiches des quarts de finale de cette Coupe des Confédérations.
Parlons à présent du Mondial U17 prévu en octobre prochain en Inde. On connaît depuis vendredi la composition des groupes et le moins que l'on puisse dire est que les représentants du continent n'ont pas vraiment été gâtés à l'image du Niger, versé dans la même poule que l'Espagne et le Brésil. Suivez. Le Mondial U17 est prévu du 6 au 26 octobre prochain, un véritable grenier à stars. Je vous le disais en titre, à quelques 6 mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2018, le Kenya est encore loin du compte. Il y a quelques semaines, une délégation de la CAF était dans le pays pour une visite d'inspection. Mais malgré l'optimisme affiché par la Fédération kenyane de football, la situation reste inquiétante. Alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Ayumba Ayodi, qui est journaliste à la télévision nationale kenyane. Bienvenue dans cette émission, Monsieur Ayodi. Alors qu'en est-il exactement de la préparation de ce CHAN? Nous sommes censés être les hôtes du CHAN en janvier 2018. Nous avons été désignés il y a 3 ans, mais nous n'avons pas beaucoup avancé parce que les responsables de la CAF ont dernièrement visité le pays et ils ont découvert que l'état des stades qui sont censés recevoir l'événement sont en mauvais état. Il s'agit notamment du stade de Kasarani de Nairobi, le Neyo Stadium, le stade Machakos et le Meru Stadium. Tous sont en mauvais état. La surface du jeu est terrible. Le seul stade qui peut accueillir un match est le stade Kasarani, car le pays accueillera le championnat mondial d'athlétisme des moins de 18 ans. C'est ce qui amène Kasarani à la norme requise, mais les autres sont dans un état terrible. À vous entendre parler, il y a lieu de s'inquiéter alors. Vous vous demandez donc pourquoi nous avons proposé notre candidature alors que nous n'étions pas prêts à l'accueillir. Rappelez-vous, si la CAF retire cette candidature du Kenya, nous allons faire face à de lourdes pénalités. Rappelez-vous également qu'en 1996, nous étions censés accueillir la Coupe d'Afrique des Nations et en raison de la politique, le gouvernement n'a rien fait en termes de préparation et l'Afrique du Sud a été invitée à sauver la situation. Cela vous montre que rien n'a changé de 1996 à maintenant. Une dernière question, Monsieur Ayodi. Comment cette situation est gérée actuellement? Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'un ministère dédié au sport, qui ne soit pas mélangé avec autre chose comme la culture, le patrimoine, etc. Si vous regardez le ministre actuel, Hassan Wario, il fait mal parce que le gouvernement savait que nous allions accueillir la compétition. C'est avec l'aide du gouvernement que nous avons gagné l'organisation du CHAN 2018. C'était la promesse du gouvernement de remporter l'offre. Mais maintenant que nous avons gagné, le gouvernement disparaît. Nous avons développé une mauvaise habitude, celle de faire les choses dans l'urgence, mais surtout à la dernière minute. Nous savions que nous allons organiser le CHAN depuis 3 ans maintenant. Donc vous voyez, c'est l'état du football dans notre pays. Je vous remercie, M. Ayodi, qui nous parlait de Nairobi au Kenya. Je rappelle que le CHAN 2018 est prévu du 11 janvier au 2 février prochain.
Et puis, sachez que le Zimbabwe a été sacré champion d'Afrique australe. Les Warriors ont remporté dimanche la finale de la COSAFA Cup au détriment de la Zambie, battue 3-1. C'est leur 5e titre dans cette compétition. La Tanzanie, invitée du tournoi, a, elle, décroché le bronze devant le Lesotho. Parlons transfert maintenant. Il incarne l'histoire et son ironie. Hier Blue, aujourd'hui Red Devil. Romelu Lukaku est passé du statut d'indésirable à celui de buteur providentiel pour José Mourinho. L'attaquant belge d'origine congolaise va s'engager avec Manchester United. Le club mancunien a annoncé dimanche avoir trouvé un accord avec Everton pour un transfert qui avoisine les 100 millions d'euros. Au même moment, Wayne Rooney fait le chemin inverse. L'attaquant anglais, auteur de 253 buts avec les Red Devils, un record, retrouve son club formateur après une aventure exceptionnelle de 13 ans à Man U, dont il restera à jamais une légende. Et ça méritait bien un hommage. Et nous vous quittons sur une triste note avec la nouvelle de la mort du gardien de l'équipe nationale de la Sierra Leone, Aladji Daouda Konté, mort d'une courte maladie. Il était âgé de 25 ans. Football Planète, c'est fini pour cette semaine, mais l'actualité continue sur Africa News. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site web www.africanews.com. Vos réactions également sur nos pages Twitter et Facebook. Merci et à la semaine prochaine.